Et la petite étoile de Mario ici, voilà, c'est parfait. Oh, coucou, 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 les petits copains, les petites copines, j'espère que vous allez bien. Alors, vous l'avez certainement compris en voyant le setup que j'ai installé derrière. Oui, aujourd'hui, c'est une vidéo rétro gaming. Vous savez, ces vidéos dans lesquelles je vous propose de découvrir un jeu vidéo de mon enfance. Bon, aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une très grande aventure, très très grande aventure, puisqu'elle va durer environ une heure. Oui, une heure. Je vous invite à découvrir un jeu vidéo sur les Schtroumpfs. Oui, les Schtroumpfs, vous les connaissez les Schtroumpfs, hein. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer qui sont ces petits êtres bleus avec un chapeau blanc, ils sont tout petits, ils vivent dans la forêt, il y a Gargamel, là, ça... Bref, si ça vous dit, on découvre ça. C'était un jeu Mega Drive, donc ça c'était une console qui est sortie dans les années 90. Et je vous propose de découvrir ensemble les Schtroumpfs sur Mega Drive. Générique. Les petits copains, les petites copines, eh bien voilà, je suis prêt, je suis installé, j'ai ma manette en main et je vous invite à venir avec moi dans cette grande aventure, vivre une aventure incroyable dans la nature, affronter tout un tas de dangers pour aller chercher, je vous le donne en mille, oui, oui, je pense que vous avez deviné, la Schtroumpfette qui s'est fait kidnapper par qui, je vous le donne en 2000, par Gargamel et son chat, Azrael. Bon, les petits copains et copines, n'attendons pas plus, lançons-nous dans cette aventure. Je vous invite à m'aider, c'est parti, allez, on y va. Voilà, ça commence, petite introduction, vous voyez le village des Schtroumpfs qui ressemble à s'y méprendre à celui d'Astérix et Obélix quand même. Hein. Donc on arrive sur l'écran de présentation, on va choisir le jeu, voilà, et ça commence. Donc là, on redécouvre le village. Vous voyez qu'on a des petits schtroumpfs anges qui nous disent acte 1, le village, car il y a 15 actes dans ce jeu, donc 15 petites histoires. Alors on commence, on est dans le village des schtroumpfs, vous voyez, hop, je me balade et je vais devoir attraper des bonus en faisant attention à tous les dangers qui se situent dans ce village. Regardez, il y a de l'eau, ah, je glisse, vous avez Schtroumpf Conchita qui est en train de faire le ménage, on vient de voir passer Super Schtroumpf, j'attrape des petits champignons, j'essaye de ne pas trop glisser, voilà, je saute, je vais essayer d'attraper les petits feuille. Oula, Schtroumpf costaud qui fait bah, du sport, hein. Fais attention, je rentre dans la maison, je ressors par la cheminée, c'est rigolo, vous voyez, je saute sur des feuillages, je vais essayer d'attraper toutes les feuilles, donc ça c'est des bonus. Ah, vous avez Schtroumpf paysan là qui est en train de labourer son champ. Encore un Schtroumpf costaud, je fais attention, voilà, j'avance, j'avance. Ouh, eh, je l'ai bien évité là. J'attrape tout ce qui se présente à l'écran en fait, hein. Je fais attention à Super Schtroumpf. Je sais pas si c'est Super Schtroumpf ou Schtroumpf bricoleur finalement. Hein. Hop, on fait attention à Schtroumpf paysan, l'escargot. Je vais rentrer dans la maison. Regardez, je rentre par la maison et je ressors par la cheminée. C'est rigolo et cela me permet d'attraper l'étoile. Alors les étoiles, c'est des bonus de score en fait. Hein. Regardez là-bas, j'ai une sorte de petite framboise, je la mange. Hop, hop, je gagne du score. Là, je vais faire attention, je saute la flaque. Là, je rentre dans la maison, je vais attraper l'étoile. Hop là, sympa, hein. Attention à Super Schtroumpf. Là, je saute, je fais... Oula, il y a des dangers, là. Oula là, ils se mettent à plusieurs. Exit. Voilà. Je suis arrivé au bout du premier acte. Donc là, vous voyez, il y a des petites feuilles qui me permettent de gagner des vies. Alors, acte 2. Acte 2, ça ressemble fortement à une forêt, les petits copains et copines. Acte 2, The Forest, la forêt. Donc là, je pense qu'on va être dans un décor bucolique. Regardez, petite chenille, Ray Crabouille. Elle n'aura pas le temps de se transformer en papillon, celle-là. Voilà, hop, je saute sur les gros champignons d'arbres. Oh là, il y a une pomme, Ah, oh, ben je savais pas. Je peux sauter sur les feuilles. Ça sert d'ascenseur, alors faut que je fasse attention. Je vais rentrer dans le tronc. Waouh! Ah ben alors, vous avez vu? Mais attendez, c'est une sorte de ressort en feuillage. Là, je fais attention au hérisson. Ouais, allez, l'étoile. Ouais, je l'ai eu. Pour le moment, ça va, je joue pas trop mal. Vous avez vu un petit peu cette grosse pomme qui a failli m'écrabouiller. Alors, je passe dessous. Ouh là là là, il y avait une sorte de grosse taupe, là, qui était pas contente. Hein. Allez, je continue. Je vais passer au-dessus du tronc. Voilà, attention au hérisson. Tac, 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 j'avance. Et elle est hostile, hein, cette forêt. Hop là, je saute. Et là, je sais pas ce qu'il faut faire, je saute. Ah bah oui, c'est ça. Allez, on avance les petits copains et copines. Je fais attention à ne pas tomber dans les trous, parce que si je tombe dans les trous, je meurs. Hein. Alors là, je vais prendre la feuille, hop, et je saute. Voilà, parfait. Attention au petit hérisson. C'est pas Sonic, hein, vous avez remarqué. Oh là là, la pomme qui a failli me tuer, là. Elle a failli m'écraser.
Non mais c'est super dangereux cette forêt, hein. Il faut dire que les Schtroumpfs c'est pas très grand, donc le moindre petit danger constitue un énorme obstacle, hein. Ou l'inverse plutôt, le plus petit obstacle constitue le plus gros danger. Ouh là là, attention, ouh là là là. Et pour le moment j'ai à peu près tout, hein. Alors je vois exit, pas mal, je m'en suis bien sorti, hein. Finalement c'est pas si dur que ça, hein. Les deux premiers niveaux, ah ben en fait c'était pas fini. C'était pas fini les petits copains et copines, je vais monter sur les champignons, je sais pas où il m'amène. C'est quoi, un écureuil? Bonjour petit écureuil. Mais tu me balances des noisettes? Non mais me balance des noisettes celui-là, Bon on grimpe, je suppose qu'il faut monter tout en haut de l'arbre. Je sais pas ce qui nous attend tout en haut, hein. Là je vais attendre l'ascenseur feuille, hop là. Une petite étoile. Donc au bout de 25 petites feuilles vertes, vous voyez j'en récolte, je gagne une vie. Donc ça c'est bien, pour le moment j'en ai 5, vous voyez en bas j'ai 5 vies, 5 ou 6, 6 je crois, ouais, j'arrive même pas à lire. Je suis absorbé par l'aventure, j'arrive même pas à lire. Hop, je prends une petite framboise, je monte sur le feuillage. Là c'est assez simple, j'ai envie de dire, hein. On grimpe, faut juste faire attention aux pommes. Alors c'est un pommier je suppose cet arbre. Bon, allez, oulala, 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 je me suis fait toucher, je suis de moins en moins concentré, je me recentre. Une framboise dans un champignon. Pourquoi pas? Allez, des feuilles, voyez. Je monte. Il est haut cet arbre, hein. C'est un arbre centenaire, hein. Regardez, je suis à 20 feuilles, plus que 5. Attention à l'écureuil, plus que 5 et j'aurais gagné une vie. Mais bon, je suis arrivé à exit, donc la fin du niveau. Donc là, vous voyez, j'ai les étoiles qui s'incrémentent. 10 étoiles, 11 étoiles, 12 étoiles, et voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ah, level 3. Je passe sur un pont, on dirait. On va voir ce que nous disent les anges. The bridge, en anglais, le pont. Alors, je suppose que je vais être sur un pont de bois. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je saute, je vois pas... Ah, il y a un petit bonus caché. En fait, je sors de l'arbre. Et ça, c'est un pont, ça. Ça, c'est... Ah oui, c'est un pont. Non, mais c'est un pont pété. Je saute sur les oiseaux. Ah, c'est ça, faut sauter sur les oiseaux. Regardez, les oiseaux m'aident à traverser. Mais le pont était pété, hein. Il était complètement pété. Non mais, encore une framboise dans un champignon, jamais vu ça. Et là, il n'y a plus de pont, les gars. Alors, je vais sauter sur les oiseaux, hein. Je saute sur les oiseaux. Ah, oh, je l'ai échappé belle. Ah non, mais le pont, il est complètement pété. C'est un pont pété, les petits copains de copines. Aïe, je me suis fait toucher, mais heureusement, je suis arrivé au bout. Vous avez vu quand même que c'est un papillon qui m'a touché, quoi. Et puis, le papillon, c'est gentil. Qu'est-ce qui se passe, là? Où est-ce que je vais? Les essais. Allez-y. Les avanches, les anges. Black Forest. La forêt noire, une nouvelle forêt, une forêt sombre. Voilà. Oh là, une mouche noire. Attendez, la mouche noire. Vous avez vu là, sur la droite? Regardez le schtroumpf. Mais oui, c'est le schtroumpf noir. Oh là là, il est méchant celui-là. Vous savez, dans l'histoire des schtroumpfs, il existe le schtroumpf noir. Alors, le schtroumpf noir, c'est un schtroumpf qui un jour a été dans la forêt, un schtroumpf tout à fait commun, et il s'est fait piquer par une mouche noire. Il s'est fait piquer à la queue. Et donc, il s'est transformé en schtroumpf noir. Très méchant, tout le temps énervé, qui fait que dire gnac, gnac, gnac. Et ben regardez, il est là. Et là, j'essaye de l'éviter. Il est pas cool, hein. Ah ben là, il me suit plus. Bon, ben, je vais attendre les ascenseurs feuilles. Hop, hop, hop. Attention à la pomme. Pff, c'est une pomme pourrie, ça. Je vais monter pour voir. Ah ben elle est revenue, la pomme, vous avez vu? Elle pousse vite ici. Qu'est-ce qui se passe si je vais là-dessous? Oh, des bonus! Regardez, des feuilles. Et là, je vais sauter sur le ressort feuille qui va me projeter. Ah ben je le prends. Oh, on peut le prendre. Je le dépose ici et je saute. Ah oui, ça c'est top. Je viens de comprendre qu'on pouvait prendre des choses, les petits copains de copines. Alors ça c'est génial. Je saute pas assez haut, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je vais le déplacer ailleurs. Si je le mets là par exemple. Est-ce qu'il y a un trou là? Allez, je me casse la tête, Oh ça y est! Oh je suis sorti! Ne se mauvais pas les petits copains de copines, j'ai cru que j'allais rester coincé. Hein. Bon allez, on continue. Oula, la mouche noire, faut pas se faire piquer, sinon on va devenir un schtroumpf tout noir méchant et tout. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Une taupe. Attention au trou, attention, les feuilles. Yes! Vous savez quoi les petits copains de copines? J'ai le nez qui me gratte. Et là je peux pas me gratter le nez. Alors je fais en même temps. Allez, je vais dans le tronc, je saute, hop, hop, hop. La mouche noire, oh, je peux l'éclater, la mouche noire. Est-ce que je peux éclater le schtroumpf noir? Je peux l'éclater aussi. Oh, c'est génial. Finalement, je suis assez puissant comme schtroumpf, hein. Alors, je ne sais pas du tout quel schtroumpf je suis. Je pense que je suis un schtroumpf très commun. C'est dur à dire, un schtroumpf commun. Hop, fini le troisième niveau, les petits copines. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça, un boss? Une plante carnivore à trois têtes? Et il y a
schtroumpf noir. Vous avez vu, je peux lui sauter sur la tête à la plante. Je vais essayer de faire quelque chose. Je prends ça, je le mets là. Je vais essayer de sauter sur le schtroumpf noir. Ah, je sais, je vais amener le... Je sais même plus comment ça s'appelle. Le ressort. Et je vais pouvoir sauter sur la plante. Mais le schtroumpf noir revient à chaque fois. Tiens, schtroumpf noir. Aïe. Tiens. Yep. Tiens. Yep. Tiens. Je saute. Tiens la tête. Allez. Tiens, schtroumpf noir. Tiens. Oh, elle a perdu une tête. Elle a perdu une tête. Oulala, là là, elle s'énerve. Elle s'énerve. Elle s'énerve. C'est un boss. Et pour le moment, je joue pas trop mal. Allez, reviens à la plante. Reviens. T'as encore deux têtes. Haha. Et plus qu'une. Il ne reste plus qu'une tête. Et tu vas la perdre. Oh bah, je la prends. Non, ça, je veux pas ça. Je veux la clé. Merci. Et je sais pas ce qu'il faut que je délivre. Allons voir. Je sais pas. Oh, regardez. Oh, le schtroumpf farceur. Oh, le grand schtroumpf. Oh là là, il me dit que j'ai sauvé le schtroumpf farceur. Et que là, je vais devoir jouer avec le schtroumpf à lunettes. Attendez, je change de schtroumpf en cours de partie, mais je me souvenais pas de ça. Regardez tous les schtroumpfs. Alors là, il me donne un mot de passe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sauvegarde sur les consoles, donc on avait un mot de passe constitué de petits personnages. Vous avez vu, il y a la schtroumpfette. Bon. Et là, je crois que je vais jouer avec le schtroumpf à lunettes, je suis pas sûr. J'ai pas tout compris. Le lac. Non, non, apparemment, je suis toujours le même schtroumpf. Hein. Mais je crois qu'il faut que j'aille sauver... Ah oui, faut que j'aille sauver le schtroumpf à lunettes. Et là, je suis le schtroumpf farceur. C'est compliqué. Regardez, je me transforme en schtroumpf farceur. Donc j'ai un cadeau dans les mains. Ça doit me servir, hein. Oh, un canard. Je vais lui sauter dessus. Ah, je peux jeter mes cadeaux. Bon, bah, écoutez, on avance. Ah, une grenouille, tiens, prends ça. Je peux t'éclater, la grenouille? Ouais. Oh, d'accord. Je jette des cadeaux et mes cadeaux explosent. D'accord. Et donc, du coup, je peux tuer mes ennemis. Et là, je traverse... Hop, je prends un petit peu les feuilles. Je traverse le lac... Attention à l'abeille, je traverse le lac grâce au petit canard. Ok, bon, il va falloir que je me concentre. Je vais utiliser ces cadeaux, apparemment j'en ai autant que je veux. Je vais utiliser ces cadeaux proprement. Donc là, hop, je saute de canard en canard. Je récupère une étoile au passage. Celui-là, je l'ai jeté dans l'eau, je sais pas pourquoi. Allez, tiens. Vas-y, explose. Raté. Bah, je lui saute dessus. Hein. c'est plus simple, c'est plus pratique, c'est plus rapide. Allez, on avance, faut que je fasse attention. Il est beau ce lac, hein, j'adore ce lac. Moi, je me baigne dans un lac comme ça. Ah, une grenouille! Je me suis fait toucher, regardez, je clignote. Je jette n'importe où, hein. Je fais n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. Canard! Canard, s'il vous plaît, canard! Canard, je voudrais traverser. Il doit falloir l'attendre. Si je saute un peu... Ah, voilà, il arrive. Canard. Merci, canard. On dirait un petit canard, vous savez, qu'on met dans les baignoires, là, ce petit canard jaune. Allez, hop, je saute. Oh, tout un tas de feuilles qui vont me donner énergie, des vies. Vous avez vu, j'ai 13 vies quand même, hein, voyez. En bas, là, 13 vies. Alors, hop, je saute. Vous avez vu, mon petit personnage en bas, ma tête a changé. Je suis devenu le schtroumpf farceur. Allez, je saute. Alors, pour le moment, c'est... Ah, j'ai touché. Alors, pour le moment, c'est assez simple, hein. Je saute de caillou en caillou, je fais attention aux grenouilles, j'atterris sur des canards, je fais attention aux abeilles, j'ai trouvé une vie, c'est génial. Et... Là, je suis arrivé au bout du lac. Tranquille. C'est joli quand même. Hein. Oh, qu'est-ce qui se passe dans le lac? Regardez comme c'est sombre. Oulala, oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait un décor halloweenesque, j'ai envie de dire. Et il y a des éclairs, des bouts, des morceaux de cailloux. C'est tout pété. Un fantôme! Un fantôme. Oulala, des tessons de verre. C'est dangereux ici. Regardez le temps. Le temps semble s'être arrêté par ici. Hein. Aïe, mais j'arrête pas de me faire toucher. Mais il est très très dur ce niveau. Oh là là là, vite. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça fait flipper, hein. Allez, allez, on part. Allez, tiens, prends ça, toi, une araignée. Bim, l'araignée! Oh, l'explosé araignée. Allez, on avance. Encore une araignée? Je lui saute dessus. Donc, grâce au schtroumpf farceur, je me suis fait électrocuter! Vite, on se barre. Oui, je vous disais, grâce... J'arrive plus à parler. Il y a trop d'action, je n'arrive plus à parler. Ah là là là, grâce au schtroumpf farceur, je disais, on a deux façons de combattre. Soit on saute sur les ennemis, soit on leur envoie des cadeaux qui explosent. Hein. Vous avez remarqué, comme je joue très très mal, les cadeaux, je les envoie n'importe où, jamais sur les ennemis. Regardez, je les envoie, il se passe rien. L'araignée ne meurt même pas. Heureusement, j'arrive à sauter entre les deux. Allez, on avance. Ce niveau me fait flipper, les petits copains et copines. J'ai envie d'avancer, vraiment.
Et allez, l'étoile. Mais c'est quoi ces trucs? C'est des statues de démons? Je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça m'envoie des bouts de lave. Je sais pas trop ce que c'est. Là, faut faire attention. J'ai posé. Ah, vous avez vu? En posant mon cadeau, eh ben, j'ai explosé la porte. Et j'ai fini le niveau. Eh, on avance, les petits copains et copines. On avance. Alors là, eh ben, il décompte mes étoiles. Pour le moment, j'en ai presque 30. 29, 30, 30, 30 étoiles. Bonus stage. Ouh, ça c'est génial les petits copains et copines. C'est donc un stage bonus, je sais pas ce qu'il va falloir faire. Oh, regardez. Oh, tranquille la musique. Je suis sur le lac et j'avance. Donc là, le but du jeu, c'est de récolter les bonus, vous voyez, des petites feuilles, des petites framboises, tout en évitant les obstacles qui sont des rochers, des bouts de bois. Oh mince, j'ai loupé la vie là. C'est pas grave, je prends une petite étoile. Ah, voilà, c'est assez simple, voilà. Il suffit de suivre le cours de l'eau. Il n'y a pas trop d'ennemis, là, il y en a même pas du tout. J'adore. Je vais passer entre les branches, je vais récolter la vie. Oh, je suis déjà à 16 vies, les petits copains de copines, c'est énorme. Là, je crains plus rien. Regardez, il est content, mon petit schtroumpf, là. Hein? Lolololololol, regardez. Tranquille. Ah bah alors ça repose, je vous le dis. Parce que l'adrénaline que j'ai eue dans les niveaux précédents, là, il retombe. Hein? Elle retombe, cette adrénaline, elle retombe. Je suis beaucoup plus calme. Ah. Allez. Là, je suis reposé pour un nouveau niveau. On dirait la forêt, hein. On dirait que... The Field. Oula, je sais même plus ce que ça veut dire, The Field, en anglais, petit copain, copine. Bon, ben on y va, c'est parti. Oh, on retrouve notre petite chenille. Et quel... Oh, il pleut. Il pleut ici, regardez, il y a des gouttes. Oh, bon. La musique fait un peu flipper. Oh, ça, c'est des trampolines. Regardez, des feuilles de trampoline. Ah ben là, il y avait un petit bonus. Il n'a même pas fait exprès, hein. Ah, notre bonus. En fait, il faut aller dans les feuillages. Dans les feuillages, il y a des bonus. Allez, vas-y, petit schtroumpf. Vous avez remarqué, je suis plus le schtroumpf farceur. Hein. Je suis le schtroumpf commun. Hein. Donc là, c'est un genre de labyrinthe où il y a tout un tas de bonus dans les branchages. Mais on va essayer de tous les trouver, les petits copains et copines. Hein. J'essaye de sauter, j'y arrive pas. Je sais pas du tout par où faut passer. J'en bégaye. Je vais essayer de passer par là. Hérisson à gauche. Hérisson toujours à gauche. J'ai du mal. Hein. Ah bah oui, là on n'est pas passé par là les petits copains de copines. Ouais, faut que je fasse attention aux gouttes d'eau, je sais pas ce que c'est peut-être des gouttes d'acide. Ça fait flipper. Attention hérisson. Ah je rampe. Oh, les petites feuilles. Voilà. On continue. Je suis quand même à 19 vies hein, grâce à ces feuilles. Attention à la goutte d'eau. Hop. Aïe ça pique les hérissons Eh oh, exit, voilà. C'est fini? Ça part un peu court, ouais. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à attraper. Ça y est, je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est que ça? Une chenille qui fait des ronds, des cercles. Elles sont plusieurs. Je saute au bon moment. Là, c'est question de timing, les petits copains et copines. Il faut se pencher et sauter au bon moment. Allez, j'attrape tout. Waouh! Et là, j'ai fait plein de bonus. Attention au petit hérisson. Attendez, il tourne comme dans Sonic. Non mais qu'est-ce que c'est que ça là? Non mais ils sont surexcités là ces hérissons, ça va pas, ils faisaient pas ça dans les niveaux précédents. Aïe, mais ils sont nombreux. Vite, sors-toi de là petit schtroumpf. Allez, là ça a l'air plus simple, on va passer comme ceci. Qu'est-ce que c'est que ces yeux? Des araignées, allez, on aura tout vu, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Vous avez vu leurs yeux? Comme ça un peu comme... Bon, j'avance tout doucement. Fais attention, il faut passer quand elles sont en l'air. Hop, quand elles ont remonté leur fil d'araignée. C'est assez simple. Là, je vais récolter les deux petites feuilles. Bon, c'est assez simple. J'avoue, il suffit de passer au bon moment. Regardez, je rampe, elle ne m'a pas. Et hop, elle ne me touche pas. Et voilà. Et les troncs d'arbres sont infestés d'araignées ici. Il faudrait faire le ménage là. Il est où là, Schtroumpf Conchita là, de tout à l'heure là, qui envoyait des seaux d'eau sur ma tête pour venir laver les troncs d'arbres là. Yeah, on a gagné ce niveau aussi, les petits copains et copines. On avance bien. On a 20 vies. Les étoiles, on les engrange par dizaines. Allez, niveau suivant. On avance. Il y a 15 niveaux, les petits copains et copines. Et là, on est au niveau. Niveau combien? Niveau 7. Ouh, ça ressemble à un barrage, les petits copains et copines. Bon, bah là, on voit des pierres. On va sauter sur le ressort. Oh là, les papillons, ils sont pas cool, les papillons. Emmenons notre petit ressort plus loin. Je pense qu'il va nous servir. On va le poser là, tiens. Hop, oui. Ça nous permet de monter. Regardez. Je grimpe.
Je grimpe, je monte sur ce barrage, je sais pas où il va m'emmener, hop, on continue. J'espère qu'il va pas s'exploser en route, hein, parce que vous avez vu au début, on voit... Ah bah ouais, voilà. Non, c'est pas dangereux. Ah, j'avais peur que l'eau soit dangereuse. Mais non, en fait, non, elle est pas du tout dangereuse. En fait, il faut juste sauter au bon endroit. Allez, on avance, enfin, on monte surtout. Attention, là, je prends ça, je vais le poser un petit peu plus loin. Je fais attention quand même à ce papillon, hein, parce qu'il est beau, mais il est dangereux à mon avis. Allez, on va aller plus loin. Hop, vous avez vu que je pouvais pas passer là-bas. En fait, c'est qu'il me fallait le ressort. Allez, on va tuer ça. Hop, attention. Hop. On va le tuer lui aussi, comme ça. Hein. On fait place nette. On va prendre ce ressort. On va le déposer un petit peu plus loin. Vous allez voir, là, il y a un petit peu de stratégie, un petit peu de réflexion quand même. Hein. Hop, ce ressort me permet de monter, de poser celui-ci un peu plus haut et ensuite d'atteindre la plateforme qui est un peu plus haut. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est un corbeau, un condor, un rapace? Aïe! Mais il est pas cool! Il m'envoie quoi sur la tête? Des œufs? J'ai même pas vu. Ouais, des œufs pourris. Non, des glands. Il m'envoie des glands. Je suis sur un chêne. Ah oui, il y a un arbre. J'arrive près d'un chêne. Peut-être qu'il y a son nid. Alors là, hop, on avance avec le ressort. Je vais le poser ici et je vais essayer de lui... Ah! Je vais essayer de lui tomber sur la tête. Alors attendez, je vais mettre ça un peu plus loin. Si je mets ça ici. Hop. Alors, il faut que je fasse attention. Hein. Aïe. Allez, viens. Ah bah non! J'ai même pas eu besoin! Oh là là, j'ai même pas eu besoin. Je pensais qu'il fallait que je lui saute sur la tête. Mais il n'y a même pas besoin. Regardez, j'arrive au niveau 8. Le niveau 8 qui est les marécages. Oh, les marécages. Alors, qu'est-ce qu'on va rencontrer dans ces marécages? Eh ben, je vous le donne en mille, des crapauds. Des crapauds ou des crocodiles? En tout cas, il y a des moustiques. Oui, vous savez que les moustiques, ils adorent les endroits humides, marécageux. Et ben voilà, on a les moustiques. Donc on va faire attention, on va pas se faire choper. Et là, je me la joue Tarzan. Regardez, oh là, je saute de liane en liane. Attention aux moustiques. Attention aux moustiques, je saute sur la tête de crapaud. Attention aux moustiques. Hop là. J'avance. Pour le moment, il n'y a pas trop de danger. J'attends. Qu'est-ce qu'il y a? Une araignée cool. Bah franchement, elle m'a fait flipper, cette araignée. Mais en fait, elle est cool. Elle me sert un petit peu de passage. Hein. Regardez, hop. Je lui monte dessus. Elle est en train de boire, en fait, cette araignée. Hein. Elle boit. Et elle est complètement stone. Elle a des yeux complètement... comme ça. Et en fait, elle me sert à passer d'un niveau à l'autre. Regardez. D'une plateforme à l'autre. Aïe. Oh, un nénuphar. Je saute sur les têtes de crapauds. Et les crapauds, jamais ils sortent. Hein. Ils font... Allez, j'essaie d'attraper l'autre liane. Attention aux moustiques. Oh là là, j'aime pas trop l'ambiance de ce marais. Hein. Ça me fait flipper un peu. Ça me fait un petit peu flipper. Moi, je déteste les moustiques, les petits copains et copines, hein, je vous le dis. Dès qu'il y a un moustique en vacances, il est pour papounet. Hein. Je ressors plein de boutons. Oh, je peux tuer le moustique. Vous avez vu? Bon, j'arrive pas à attraper l'étoile. Je laisse tomber. Exit. Bon, c'était un court passage. Hein. Ah, mais c'est pas fini. Je me disais bien aussi. Ah, un serpent! Oh, ça fait flipper. On remonte. Regardez le serpent. Il est en dessous. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Hein. On va l'attendre. Et, je vais lui sauter sur la tête. Ça la somme même pas, en fait. Ouh là là, je flippe. Vous pensez que c'est un boss? J'ai peur. J'aime pas les serpents. Bah écoutez, on va attendre qu'il passe par le trou. Et une fois qu'il sera sorti, enfin qu'il évite le trou, ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Donc en fait, il faut attendre le serpent et lui sauter sur la tête, vous voyez? Donc un coup en haut, un coup en bas. Donc là, je vais l'attendre. Et le trou du tronc d'arbre me sert à aller au niveau au-dessous. Et là, je l'ai assommé. Ha. Bon, il n'était pas trop dur. Oh, regardez! Schtroumpf à lunettes! Il est emprisonné dans une cage! Je le délivre! J'ai délivré le Schtroumpf à lunettes! Et voilà, le grand Schtroumpf me dit bravo! Tu as délivré le Schtroumpf à lunettes. Peut-être que je vais pouvoir le diriger maintenant. Ça serait trop cool. Schtroumpf à lunettes, ça va, il parle comme ça. Je suis Schtroumpf à lunettes, je sais tout. J'aimerais trop le diriger. Alors, est-ce que c'est le Schtroumpf à lunettes? Je ne sais pas. En tout cas, on a fini le barrage et on se dirige vers une grotte. Comment ils appellent ça, là, les petits anges? The cave, ouais. En anglais, c'est la grotte, hein, la cave. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Oh bah oui, il nous explique qu'on va devoir être le Schtroumpf à lunettes. Regardez. Ah, oh, trop bien. Oh, il a une petite bougie.
paf, et quand on saute là-dessus, on fait tout casser. Ok, donc là, il va falloir faire très attention, les petits copains et copines. Donc, je résume, nous sommes le Schtroumpf à lunettes. Nous devons exploser des choses, je ne sais pas quoi. En tout cas, on a des détonateurs, vous avez vu, et quand on appuie dessus, ça explose. Alors, on va avancer, on va le faire. Hein. Faut faire très attention, là aussi, on a des dangers, des ennemis. Il faut toujours récolter les petites étoiles, voilà, on saute de plateforme en plateforme, on fait attention à ne pas se faire toucher par les rochers, vous avez vu là, bon, je me suis fait toucher, là-haut on voit un détonateur, alors on va y aller, je pense que les détonateurs nous ouvrent des parties du labyrinthe, regardez, pouf, ça explose, donc on ne sait pas où, mais ça nous a ouvert certainement un passage quelque part, attention à la pierre, je vais essayer de récolter les petites feuilles, voilà, on en a 17, alors, vous voyez, j'ai 21 vies les petits copains et copines, ah oui, regardez. Quand j'appuie sur le détonateur, on a des rochers qui explosent. Donc, en fait, ça nous ouvre des passages. Donc, je vous disais, j'ai 17 feuilles. Exit. Je pense que c'est pas terminé. Ouais, voilà, ça continue. Alors, le décor change un peu. On a des chauves-souris, regardez. J'explose les rochers. Donc, je vous disais, je vais y arriver. J'ai 17 feuilles en bas, vous voyez. Regardez, quand j'en récolte un peu plus, je suis à 20. Eh bien, quand je vais être à 25, vous allez voir... Mes vies, là, mes petits cœurs vont passer de 21 à 22. Aïe, 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 je parle, je me fais toucher. Attention aux chauves-souris qui sont pas cool. Un détonateur. Hop là, vous voyez, j'ai pété les rochers en bas. Là, je sais pas ce qu'il faut faire. Ouais, c'est bon. Hop là, allez. On saute. J'espère retrouver quelques détonateurs. Allez, il y en a partout. J'avance. Je fais attention à la chauve-souris qui est pas très cool, les petits copines. Hop, attention, je vais passer... La chauve-souris, deuxième chauve-souris. Elle n'a pas eu le temps de déployer ses ailes, vous avez vu? Donc je pense que je peux aller très très vite. Hein. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah, regardez! 20, 21, 22, plus que 3 feuilles. Allez, 3 feuilles, trouve-moi 3 feuilles. Trouve-moi 3 feuilles, grand... Schtroumpf-Alinette, j'ai failli l'appeler grand Schtroumpf. Bon, c'est bon, je sais que j'adore les framboises, mais je préfère les feuilles. J'aimerais avoir 22 vies, les petits copains de copines. Hop, oh! Regardez! 24, plus qu'une. Plus qu'une feuille, vous allez voir, mes cœurs vont passer de 21 à 22. Dites-moi pas que je vais pas trouver une feuille. Une dernière feuille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une dernière feuille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, j'en vois une. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? J'espère que je vais pouvoir l'attraper. Je sais absolument pas comment je vais faire pour aller la chercher. Peut-être qu'il faut que j'appuie là. Oh, il y a encore des feuilles en haut. Bon, c'est sûr, je vais passer à 25 feuilles et gagner une vie. Ça, c'est sûr. Je fais attention aux chauves-souris. Je m'en sers de plateforme, en fait. Hein. C'est des plates-souris maintenant. Allez, 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 on avance. Regardez la feuille, regardez. Je peux pas l'attraper, ça m'énerve. Je vais exploser. Est-ce que je peux l'attraper? Toujours pas. Oh là là, est-ce que ce serait à l'heure? Une fausse feuille, en fait. Bon, je vais essayer de passer par ailleurs. Oh, j'aimerais trop l'attraper, cette feuille. Bon, on avance, hein. On avance. Je vais voir ce qu'il y a plus loin. On va sauter par là, par là, par là. Oh, je crois que je vais atteindre les 3 feuilles du fond. Regardez le mime. Ouais, ça y est. 22 cœurs, les petits copains et petites copines. Ça y est. Et on les collectionne, les vies, hein, et on perd pas. C'est ça qui est top. On est très, très fort. Voilà. Bon, là, je pense qu'on a fini le niveau de la grotte. On va voir. Regardez notre score. 70 550. Énorme. Est-ce qu'on a fini? Eh oui! Alors là, niveau bonus, alors apparemment ça va être cool. On va voir. On va voir. Ah ouais, d'accord. C'est exactement le même. Et en plus, regardez, nous ne sommes plus le Schtroumpf à lunettes. Nous sommes de retour le Schtroumpf normal. Donc là, on récolte des bonus. Alors là, c'est top parce qu'on peut prendre pas mal de feuillage. Je vais essayer de prendre la vie. Ah, je l'ai raté. Je l'ai raté. Elle est très dure à avoir. C'est normal, c'est une vie. Donc les feuillages. Ah, j'ai raté, j'en ai eu qu'un sur trois. Trop dur. Et oui, le cours de l'eau défile et moi, eh ben, il faut que je me dépêche pour attraper les choses. Et vous voyez, eh ben, non, j'y arrive pas bien. En fait, l'astuce, c'est de rester un peu au centre. Comme ça, au centre, on a un petit peu tous les bonus. Et là, je suis coincé. Ah, je suis mort. Je suis resté coincé à cause du rocher. Oh, mais dites donc, c'est un pic, c'est une montagne. Ben oui, nous sommes dans la montagne. Acte 10. Plus que 5, les petits copines, on arrive à la fin du niveau, du jeu. Oula, il y a un corbac tout noir avec des petits lapins, genre ils sont trop mignons les lapins. Le corbeau il est méchant, tiens je te déplume le corbeau, je les déplume. Il faut leur sauter dessus et perdre leur plume, j'allais dire leur poil. Je l'ai loupé, j'ai encore loupé, viens là. Eh oui, bah maintenant je peux plus l'avoir, et lui là, aïe, attendez, regardez bien, je vais lui sauter dessus, hop là, pic. Il est bon pour faire un bon barbecue, hop là. Donc là, je suppose... Tiens, prends ça. Je suppose qu'il faut aller plus loin. Je peux passer sous la cascade.
Oh, c'est génial, un passage secret. Oh, une étoile au passage. Petit lapin, viens petit lapin. Oh, il est trop mignon ce lapin. Regardez, oh. Mais à mon avis, il est pas cool. Parce que rien n'est cool. Chez les schtroumpfs. Oh, j'ai pété le pont. Tiens, je te tape sur la tête. Ouais, il est pas cool en fait. En fait, rien n'est cool. Je passe sous un nouveau passage secret. Alors lui, je vais me la faire, voilà, je me suis fait me le faire ou me la faire, je sais pas, c'est peut-être une corbeau, et lui il m'énerve, tiens, hop, voilà. J'avance, bien sûr, tout s'effondre, je passe par un nouveau passage secret sous la cascade, qui me permet de grimper, regardez. Alors je sais pas ce que c'est ça là-haut, ah oui, bah forcément c'est un corbac tout noir. J'avance, et c'est... ah, je suis bloqué. Ah, j'ai dû oublier un détonateur, les petits copains de copines, il faut que je trouve un détonateur. Trouvez-moi un détonateur. Est-ce que vous voyez un détonateur, les petits copains de copines? Dès que vous en voyez un, vous criez très fort « Détonateur !» Là, pour le moment, j'en vois pas, à part des animaux qui en veulent à ma peau. Allez, on va peut-être aller voir par là-bas. Regardez, il y a une étoile, ça prouve que je suis pas passé par là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Détonateur! Ben, maintenant, il va falloir que je remonte. C'est ça, le plus dur. En faisant attention à tous les animaux qui sont revenus, bien sûr. Tiens, prends ça, le poulet, là. Là, ça va s'effondrer. Et oui, parce que dans ce jeu, quand on élimine un monstre et qu'on revient, eh ben, il est de retour là. Regardez. Hein? Bon, il ressuscite les monstres ici. Attention. Hop, exit. Oh, j'en ai mal aux doigts, les petits Covid copines. Ah, mais c'est pas fini. On n'a pas fini la montagne. Bon, allez, on y va. Attention aux papillons. On grimpe. Je vous avais dit, hein, c'est une très, très grande aventure, les petits Covid copines. Attention. Au lapin ou au lièvre, on ne sait pas. C'est une très grande aventure qui va nous durer une heure. Bon, là, ça fait plus d'une demi-heure qu'on joue. Et on n'a toujours pas délivré la schtroumpfette. Hein. J'ai pas vu non plus la queue ni les oreilles du chat, Azrael. Et j'ai pas vu Gargamel non plus. Vous savez, hein, Gargamel, hein, ce vil sorcier, là. Ouh là là, oh, Gargamel, moi, il me fait flipper avec son crâne rasé, là. Et il a qu'une dent, il est comme ça, là, il est horrible. Bon, écoutez, là, il y a un peu de stratégie. Je pense qu'il faut emmener ce petit ressort un petit peu plus loin, car il va me permettre d'accéder à un niveau supérieur, une plateforme supérieure. Si je le pose là, ouais, aïe, ouais, je suis surtout tombé sur un papillon. Regardez, bam, j'ai réussi à exploser quelque chose un peu plus loin, des rochers qui certainement m'empêchaient de passer. Attention, là, j'y vais mollo. Allez, je vais passer sous la cascade. J'adore passer sous la cascade sans me mouiller. Regardez, je sors sec. Ah, ça casse là. Vite. Tout est fragile dans ce monde. Hein. Hop, oulala, qu'est-ce que c'est qui saute là? Un poisson? J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, c'est des poissons verts. Les poissons de Tchernobyl, les petits copains de copines. Attention, au moins que ce soit des grenouilles. En fait, j'ai pas eu le temps de boire. J'ai rien eu le temps de boire. Je vais trop vite. Allez, on avance. Il est très très long ce niveau. Oh, de la neige! Regardez, de la neige! Oh, je suis arrivé au sommet! Il y a des neiges éternelles, vous savez, les petits copains de copines. Ça glisse. En haut des montagnes, souvent, quand on monte très très haut en altitude, eh bien, il y a de la neige, car il fait très froid. Et mon schtroumpf, là, il se les pèle. Oui, il se les pèle parce que, regardez, il est torse nu. Hein. Donc, c'était bien des poissons qu'il y avait tout à l'heure. Et je vois Exit! Oh, un sapin de Noël! Enfin, c'est un sapin, surtout enneigé, parce qu'il a aucune décoration. Pas un sapin de Noël du tout. En tout cas, on avance! Ah, j'ai mal au doigt, petit copain de copine. Ah, je suis crispé sur ma manette. Est-ce que... Oui, on atteint un nouveau niveau, les petits copains de copine. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Une falaise? Une mine. Ah, on était sur la falaise. The Field, c'est la falaise. Et là, on arrive dans une mine. Oh, regardez, nous sommes sur un wagon. Oh là là, je me prends pour Indiana Jones. Donc là, il faut aiguiller correctement. Regardez, quand j'appuie, on a les aiguillages. Je viens de m'assommer. On a les aiguillages, donc des rails qui changent. Donc il faut vite les aiguiller au bon moment pour ne pas tomber. Hop, ouais. Regardez, il faut juste appuyer au bon moment. Hein. Donc on aiguille comme ça. Hop. J'aiguille au passage. Sinon, en fait, je tombe dans le vide. Hein. Donc là, le but, en fait, c'est de suivre le chemin. Hop. Allez, on suit les rails, voyez. Il suffit d'appuyer au bon moment pour que les rails changent de sens, en fait. Je n'ai rien à faire, en fait. J'ai juste à appuyer au bon moment, c'est tout. Je l'ai dit combien de fois, ça? 1000 fois? Vous avez bien compris qu'il fallait que j'appuie au bon moment, les petites copines. Ah, oh, je suis stressé par ce jeu. Bon, je viens de ramasser une vie. Il n'y a pas trop d'ennemis, en fait. Je dirais même qu'il n'y en a pas du tout. Il y a 0 ennemi. Il faut juste vraiment appuyer au bon moment. C'est une question de réflexe.
J'ai encore dit qu'il fallait appuyer au bon moment. J'ai envie de me foutre des baffes, les petites copines. Regardez, j'avance. Et là, en fait, à quoi ça a servi que je monte tout en haut de la montagne s'il faut que je redescende maintenant? Expliquez-moi. Il y a des moments aussi, il faut que je me baisse, hein, parce que... Ah, exit. Alors là, franchement, j'ai pas compris. Je suis monté tout en haut de la montagne et je l'ai redescendu en wagon. Est-ce que c'était juste pour faire une attraction? Franchement, oh là là, un volcan! Allez, à tous les coups, il va y avoir de la lave. The Volcano. Allez, c'est bon, il va y avoir de la lave, j'en suis sûr. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ah, je redeviens le Schtroumpf farceur. Parce que, rappelez-vous, il a des cadeaux qui explosent. La lave, l'explosion. Attendez, ne me dites pas que la lave va monter à toute allure et que moi, il va falloir que je monte très très vite. Oui, regardez, regardez! Aïe, 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 aïe! La lave est en train de monter, elle remplit les cavités. Mais moi, il faut que je monte très très vite pour pas qu'elle me brûle les fesses, en fait. Hein, c'est ça. Donc je me dépêche, si je vais vite, si je vais assez vite, j'ai envie de dire, la lave ne m'atteindra pas. Donc là, j'ai pris un peu d'avance, regardez. Là, je suis tranquille, j'ai qu'à monter. La lave est tout en bas. Oh, je grimpe tranquillement, un coup à gauche, un coup à droite. Je récupère une étoile au passage. Et on a 24 vies, les petits copains et copines. On peut se permettre de perdre. Là, je suis coincé. Je mets un cadeau explosif. Alors là, c'est cool. Parce que grâce à mes cadeaux explosifs, regardez, je me suis fait toucher. Oui, je vous disais, grâce à mes cadeaux explosifs, je peux passer. Et là, j'ai un exit. C'est assez simple. Eh, franchement, pourquoi j'avais pas lui, là, hein, le Schtroumpf farceur avec ses cadeaux explosifs tout à l'heure? Franchement, vite, vite, vite. Ça m'aurait évité d'appuyer sur les détonateurs, franchement. Moi, je cherche la facilité. Hein. Allez, on avance, on se dépêche. Il y a une vie là-haut. 25 vies. Pff, collection de vies. On se dépêche parce que là, la lave est en train de monter. Allez, on saute. Vous avez vu les rochers s'effondrent sous mes pas. Allez, on avance. Quelques petites étoiles. On est à 20. On n'est pas loin de la 26e vie. Là, je dépose un petit cadeau. Hop, on va pouvoir atteindre le ressort qui nous propulse. Là, on jette. Elle joue bien. Hein. Et non, mais je joue vachement bien là, je trouve. Hein. Je me jette des fleurs. Hein. Les petits copains et copines, si vous trouvez que je joue bien, mettez-moi des petits pouces bleus, ça m'encourage. Abonnez-vous aussi, hein, surtout abonnez-vous. Regardez, 22 petites feuilles, plus que 3. Je vais essayer d'atteindre l'étoile, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a dans le champignon? Qu'est-ce qu'il y a dans le champignon? Une feuille, c'est cool. 23 feuilles, la petite étoile. Pour le moment, on est pas mal au niveau des bonus, on n'en oublie aucun. Aucun, franchement, depuis le début, c'est un sans faute, j'ai l'impression. Hein. On avance, des petites framboises. Regardez, 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 hop, 26 vies, ça y est. Ouh. Allez, on avance, et je sens l'exit. Je sais pas pourquoi, regardez, regardez, je saute. Yeah, c'est pas fini. Et encore la lave. Aïe, 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 aïe. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un dragon, un dragon. Et j'ai vu un trou enfermé dans une cage, comme tout à l'heure. Qui... Ah, mais attendez, il a un gâteau. Est-ce que ce serait pas le Schtroumpf gourmand? Bon, on va s'occuper de ce dragon qui veut nous cramer. Hein, et oh, c'est bon, allez, hop, 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 c'est bon, dragon. J'arrive pas à l'avoir, mes petits copains et copines. Je sais pas s'il faut lui sauter sur la tête ou lui envoyer des cadeaux qui explosent. On va essayer de lui envoyer un cadeau qui explose. Ça vient d'exploser. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a eu! On l'a eu, regardez! Il y a une clé! Il y a une clé! Je vais aller la chercher. On l'a eu! Et je vais libérer le Schtroumpf gourmand. Alors là, franchement, je sais pas comment j'ai fait. Je pense que c'est à force de lui envoyer des cadeaux. Ça l'a explosé. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? On va chercher la Schtroumpfette! On va chercher la Schtroumpfette! On arrive au bout, les petits copains de copines! Donc je suppose, voilà. Donc là, on a un nouveau mot de passe. Donc là, je suppose qu'on a atteint une étape importante du jeu. On va aller sauver la Schtroumpfette. Donc là, on quitte le volcan et on arrive vers un endroit un peu glacé. La descente. Ah, super, ça a l'air glacé. Je suis qui? Je suis quel Schtroumpf? Ah, mais c'est cool! Regardez, ça change complètement! C'est un Mario Kart à l'envers, les petits copains et copines. Donc là, je suis en luge. Et je descends. Hop! Je descends. Regardez. Alors là, il suffit de sauter au bon moment et de se diriger pour pas se prendre les rochers. Et dessous, qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! Le Yeti, il fait du surf, lui. Hein. Et il me pousse sur les... Ah bah, c'est cool, il est cool. Il me pousse juste sur les rochers. Donc j'ai juste à éviter. Regardez, il y a des bonhommes de neige. Là, je saute. Donc en gros, ça se résume à glisser, faire attention au Yeti, aux boules de neige comme vous voyez, donc des sortes d'avalanches, faire attention aussi aux sapins et ramasser bah, les bonus. Et là, faut sauter. Donc faut sauter aussi les morceaux de rivière qui n'ont pas été gelés, sinon je pense que je coule. Donc là, je saute,
je ramasse l'étoile, je me dirige, attention à la petite avalanche. Qui c'est qui me les lance ces boules? Alors regardez dans le décor, on peut voir un schtroumpf qui a été sculpté dans la neige. Hop, on saute. Là, 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 c'est assez simple, je saute. Il faut juste conjuguer les réflexes, hein, c'est tout. Hop là, je fais des zigzags, je me suis fait toucher. Aïe, 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 aïe. C'est bon, c'est pas grave. Je me suis juste fait un petit peu toucher. On continue les petits copains et petites copines. Je saute. Yeah, méga saut là. J'aimerais bien revoir Yeti, moi il était sympa. Je saute, je saute. Aïe, 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 il suffit de l'appeler. Alors lui, il essaye de me pousser. Il est pas très méchant, mais il m'expulse contre les rochers. Oh là là, il est cabocheur hein, celui-là. Allez, hop, je saute. Ça, c'est sympa. Ça change de gameplay et ça fait plaisir, les petits copains et copines. On n'est plus dans une phase de plateforme. On est dans une phase un petit peu de course, hein, j'ai envie de dire. Et j'ai gagné! Il a dit youpi. Je sais pas si vous l'avez entendu. Moi, je suis trop content. Et là, c'était cool. Hein. Maintenant qu'on a fait la descente, donc, comme je vous disais, j'ai pas compris pourquoi on a fait ça. Ah si, on a sauvé un schtroumpf. Je me souviens. The Cliff. Ah, The Cliff. The Cliffhanger. C'est quoi The Cliff, les petits comics de copines? Allez voir sur YouTube. Sur YouTube, sur... n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez voir sur Google Trad et dites-moi ce que c'est The Cliff. En tout cas, regardez, j'ai l'impression qu'on est le schtroumpf gourmand et qu'on a un gâteau dans la main. Et ce gâteau ben, nous sert d'arme finalement. Oulala, on est sur un trou qui tourne. Donc là, il faut faire attention parce que le tronc tourne et il y a des trous dans ce tronc. Regardez. Donc je pense qu'il faut y aller au bon moment. Donc on a des hérissons. Là, on saute les troncs d'arbres, on saute les trous. Je dis n'importe quoi, tu peux une copine. Il faut faire attention aux corbeaux. Récupérer quelques bonus au passage. Là, je vais attendre de tourner, peut-être pour récupérer le bonus du fond, ouais. C'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. The Cliff, je sais pas ce que c'est. C'est quoi le cliff? Une passerelle? Un pont? Je sais pas. Allez, on continue, on avance. On avance, on avance. Donc là, aïe, 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 ça se résume à passer d'un point A à un point B. Voilà, il faut rallier les deux points en faisant attention aux corbeaux, aux hérissons, aux trous. Et voilà, en fait, c'était assez simple. Et nous sommes le schtroumpf gourmand. Alors moi, je serais lui, les gâteaux, je les jetterais pas, je les mangerais. Parce que moi, je suis plus gourmand que lui, j'ai l'impression. Donc là, on arrive où? Oula. Oula, acte 15. Ça y est, nous sommes dans le dernier niveau, les petits copains et copines. Nous sommes dans le manoir de Gargamel. Ouh là là, là, ça fait flipper. Alors, on a des grenouilles. Le ciel est menaçant derrière. Regardez, c'est un coucher de soleil. Donc, pour le moment, nous sommes aux abords de ce manoir. On va aller là-dedans. Je sais pas ce que c'est, une sorte de pipe qui fait des bulles. Et nous sommes dans une bulle, regardez. Je sais pas si on craint ou si on est invincible dans cette bulle. On va faire attention. On va faire attention, on va faire comme si on risquait à chaque instant de se faire éclater la bulle. Hein. Donc on fait attention, surtout que regardez, nous sommes dans des ronces. Vous avez vu les piquants là? Donc il faut faire attention, il faut se déplacer sans se faire éclater. Ah, il m'énerve ce papillon. Oh là là, il y a des éclairs, vous avez vu le ciel? Ah, il faut pas que j'éclate ma bulle. Attention aux piquants. C'est un labyrinthe en fait. Ah, et c'est dur parce que la bulle elle est poussée par le vent. J'avais cru qu'on y était arrivé, regardez. Oh là là, une autre ronce. Oh, je vois exit. Yeah! Et là, on entre. On entre chez Gargamel. Quoi? Oh là 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 là. Alors, attention. Là, il y a le grand schtroumpf qui est en train de nous dire qu'il faut se transformer en schtroumpf gourmand quand on va faire face à Azrael. Et il est gourmand, Azrael. Azrael, c'est le chat. Alors là, attention, on y va. Je viens d'éclater un moustique. Regardez Azrael! Oh là là, il veut nous attraper. Azrael veut nous manger. Ah! Tiens, mange, 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 mange. On va lui balancer des gâteaux. Tiens, mange, Azrael. Tiens, mange, 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 mange. Et on le touche. En tout cas, on le tanche. On le touche. On le tanche. Tanche, c'est un poisson. On le touche, c'est moi la tanche. Eh, on se bat pas mal, là. On se bat pas mal. Il suffit de jeter des gâteaux. Et on l'a eu. On l'a eu, les petits copains, petites copines. On a eu Azrael. Je pense qu'il a tellement mangé de gâteaux qu'il en peut plus. Regardez la plante carnivore. C'est une plante gourmande qui est OK pour manger des gâteaux. Là, il y a une vie. 28 vies. 28 vies, attention à la plante carnivore. Alors, elles font semblant de dormir, les plantes. Et en fait, dès qu'on arrive avec notre gâteau, elles veulent nous manger. Regardez. Hop, on avance, attention. Le chat s'est réveillé. Azrael est de retour vivant. Il a dû digérer. Bon, on va essayer de l'éviter au maximum. Moi, je file, hein, j'en ai marre. Aïe. Aïe. Ne me touche pas, Azrael, ne me touche pas. Je flippe, je flippe. J'ai l'impression qu'Azrael ne sait pas grimper.
Vous avez vu? Il reste en bas. Donc quand je monte sur les meubles, je ne crains rien finalement. À part les plantes carnivores. Finalement, ça va? Ah bah écoutez, je vais continuer comme ça. Écoutez, il miaule. Mais finalement, c'est pas mal, regardez, il est en bas. Aïe, il m'a touché quand même. Vilain chat! Vilain! Vilain chat! Bon, attendez, moi je flippe, hein, parce que si Azrael est difficile à battre comme ça, je me demande ce que ça va être quand on va affronter Gargamel. Oui, parce que je suppose qu'on affronte Gargamel, parce qu'il détient la schtroumpfette, souvenez-vous. Loupé. Non, je l'ai eu! Oh là là, j'ai cru que j'avais tiré n'importe comment. Et 29 vies, les petits copains de copines. Ouah! Ça y est! Ah, des escaliers, c'est pas fini. Oh là là, des pommes qui nous tombent sur la tronche. Oh, les pommes, c'est bon, elles sont pas cool, elles, hein. Attention, je vois une chauve-souris avec ses ailes, là. Tiens, 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 tiens. Ah! Oh, j'ai cru qu'on allait tomber dans le vide. Donc là, il faut éviter les pommes et les chauves-souris. Waouh, waouh, il y en a de partout, il y en a de partout, je flippe. Ah, vite, vite. Waouh, je me suis arrêté à 1 mm du trou. 1 mm. Eh, mais ça marche. Oh, vite, vite, ça va. Eh, mais bah forcément, tu m'envoies une pomme en même temps que je veux attraper. Une feuille, exit. Ça y est, exit. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça y est, on est dehors. Ah, c'est Gargamel. Et en plus, il a son corbeau. Il est pas cool. Alors regardez, le corbeau m'envoie des glands. Et grâce à ce système, j'arrive à envoyer les glands à Gargamel. Donc ça, c'est une sorte de balançoire. Regardez, bim. En fait, c'est assez simple. Le corbeau m'aide finalement. Regardez. Il suffit d'attendre que le corbeau dépose un gland. Et je l'envoie sur la tête à Gargamel, qui fait la tranche du coup. Regardez, tiens, prends ça, Gargamel. Merci, le corbeau, finalement, tu m'aides. Hein. Et on l'a eu, les petits copains, on l'a eu. Et on a une clé. Ouh, et on va délivrer la schtroumpfette. Ça y est, les petits copains, les petites copines. Nous avons fini le jeu, regardez. Oh là 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 là, les petits copains, les petites copines. Donc là, on a le petit blabla qui nous dit bravo, 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 vous avez... Et bah délivrer tous les schtroumpfs qui étaient retenus prisonniers par Gargamel. Oh, c'est génial. Oh, j'ai même droit à un petit bisou. Oh, un petit bisou. Alors ça c'est... Alors maintenant je suis schtroumpf amoureux en fait. Hein. Bon bah écoutez, c'était génial les petits copains et copines. On va laisser terminer ce jeu sur les crédits. Ça, on verra qui a fait le jeu. Alors, les petits copains et copines, moi j'ai adoré ce jeu. Je sais pas vous, ça a été très très long, j'ai envie de dire, mais l'aventure était géniale. Et ça m'a permis de vous faire découvrir un jeu auquel je jouais quand j'étais petit, les Schtroumpfs. Alors, il y a beaucoup d'autres jeux sur les Schtroumpfs, je vous les ferai découvrir. On en a eu notamment sur Super Nintendo, sur Amiga, sur Master System, sur Nintendo Entertainment System. Je ne vais pas non plus tout citer, mais on s'amusait bien à l'époque. Bon, vous voyez, mon score, hein, 104 000 quand même, hein. 104 650, c'est un bon score. Bon, les petits copains et copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis éclaté, j'ai mal au pouce. Franchement, j'étais crispé. Je vous invite à essayer ce jeu qui est bien sympathique. Vous avez vu, très, très sympa, bon enfant. J'ai dit deux fois sympa. Donc, je vais m'arrêter parce que je suis crevé, je suis lessivé. Bon, les petits copains et copines, laissez-moi des petits pouces bleus. Surtout, abonnez-vous, soyez sages. J'ôte à mon écouteur de mon oreille, parce que depuis tout à l'heure, j'ai la musique des Schtroumpfs dans les oreilles. Je suis content de retrouver la musique d'Elys Magic World, ça fait du bien. Allez, je vous fais de gros bisous et on se retrouve sur une prochaine vidéo. On va se laisser sur ma manette. Allez, on se laisse sur ma manette. Gros bisous les petits copains et copines. Oh, les Schtroumpfs!